Salut à tous les refs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation sur la chaîne de Mima, présentation d'Au Soleil. Voilà, on va présenter toutes les nouveautés, vous allez voir, ça déchire. Ça déchire. Donc ici, vous avez la zone de purification, cratère, vous rentrez dedans, petit coffre. Faut prendre le saphir qu'il y avait avant, donc lingot de saphir, tiens Mima, je t'en donne. Vas-y, merci. Oh, ouais, j'ai voilà. Beaucoup par contre. On ouvre le coffre, on va le mettre dans la rangée du haut, et petit à petit, ça va s'écouler vers le bas. Donc, les zones de purification, elles se situent à l'ouest et à l'est du spawn. Voilà, elles sont deuxièmement tapées à gauche et à droite du spawn. C'est là où vous pourrez retrouver les deux zones de purification. Avec le saphir purifié que vous aurez récupéré dans les zones de purification, vous pourrez crafter des blocs de saphir purifié, comme tout bloc de minerai. Ensuite, avec ces blocs de saphir purifié, vous aurez besoin d'un billet d'$1 million qui sera achetable dans le slash shop. Avec ces blocs de saphir purifié et ce billet d'$1 million, vous pourrez crafter des générateurs à Bernard l'Ermite. Spawner en saphir plutôt. Spawner en saphir. Le spawner en saphir. Il va faire spawn des Bernard l'Ermite. Bon, ça fait spawn à peu près toutes les 30 secondes, entre 1 et 4 mobs. À quoi ils vont servir ces Bernard? Simplement, ils vont vous drop saphir, de la thune, des pépites de space et de l'XP. Et voilà, ils sont assez rentables, même si le craft est un peu compliqué. Une fois que vous avez un spawner en saphir, vous pouvez vous dire peut-être que c'est pas assez rentable et que vous voulez de meilleurs spawners. Dans ce cas-là, vous pouvez crafter le spawner en space. Avec le spawner en saphir, vous pouvez craft un spawner en space, avec aussi pas mal de space, donc c'est 64 space en tout. Ce spawner là, il va faire spawn des serpents space. Les loots, ils sont multipliés par 3 par rapport au loot des Bernard. Ça va vous permettre d'être assez riche et de vous refaire très facilement. Il y a aussi deux autres changements mineurs qui ont été faits. Ça va être notamment dans la mine, quand vous allez miner des émeraudes, vous allez gagner directement de l'argent pour faciliter, et puis c'était inutile. Tout ce qui est au niveau des cosmétiques, il y a tous les cosmétiques qui ont été rajoutés. Par exemple, tous les chapeaux qu'il y avait sur le kit FA, ils ont été rajoutés sur le kit map. Ils sont beaux les cosmétiques. Ouais. Il y aura l'arrivée du grade solaire qui va coûter environ 50 euros. Ce grade va débloquer beaucoup de fonctionnalités que je vais vous citer. x2 des minerais, x2 des loot de mobs. Vous avez dans le slash reclaim 4 spawners en saphir. Et le plus important, il peut se connecter 10 minutes avant tous les autres joueurs à l'ouverture. Pour aller claim un AP par exemple. L'arrivée et la sortie de au soleil, le retour, va emmener aussi 100 euros de cash price pour les meilleures factions du serveur. Je pense que tout a été dit. Si vous voulez, parce que j'ai perdu toute ma thune sur les matchs de l'équipe de France, vous pouvez rejoindre le serveur, acheter des grades à mort, voilà. Et puis voilà, on vous attend nombreux sur au soleil. Pour cette version qui va durer un mois, et puis vous verrez la prochaine version, il y aura des grosses nouveautés. Je rêve, on a fait une outro où on balançait des billets où il y avait $1 devant nous. Bon allez, maintenant on fait une intro sérieuse. On met une intro sérieuse, bordel. Elle est bien l'outro. Elle pue sa mère, moi je te le dis, allez. Elle est bien. On la garde.